Hachem, je tiens à vous dire merci de m'avoir invité pour discuter un peu, sachant que justement le cours que je vais vous donner ce soir, je ne l'ai pas préparé, mais je pense que ce cours-là, il est vraiment pour vous. Vous êtes en plein examen et vous êtes venus nombreux pour écouter un cours de Torah. Bien sûr, c'est un grand sacrifice de votre part. Dans la paracha de la semaine prochaine, c'est la paracha de Foukat, la paracha des lois. Des lois. Vous savez qu'il y a des lois qu'on comprend. Il y a des lois qu'on ne comprend pas. Par exemple, ne pas tuer, c'est une loi qu'on comprend, c'est une loi qu'on n'a pas besoin de nous expliquer la raison pourquoi il ne faut pas tuer. On sait qu'il ne faut pas tuer. Par exemple, pourquoi mettre une tefiline, c'est vraiment, on ne sait pas pourquoi. Ne pas manger du taref, on ne sait pas pourquoi. Ne pas manger du cochon, on ne sait pas pourquoi. Il y a des lois qu'on ne sait pas pourquoi il faut les faire. Mettre un talit katin, on ne sait pas pourquoi. Par exemple, il y a des lois qu'on comprend, par exemple, être hygiène, manger des choses qui sont bien. On comprend ne pas voler. On comprend qu'il faut aussi prier, c'est une sorte de reconnaissance liée à Dieu. On fait du bien à quelqu'un, il faut le remercier. Il y a par exemple, lorsqu'on parle de Zot Hokat Paraduma, on parle de lavage rousse. Lavage rousse, vous savez, personne ne la comprend. Personne ne comprend cette mitzvah de lavage rousse. À l'époque, on trouvait une vache rousse, ça n'existe pas aujourd'hui. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont se moquer de nous. Ils vont dire une vache rousse, mais d'où on a entendu une vache rousse? Ils vont s'éclater de rire, c'est pas grave. Ils s'éclatent. La vache rousse, par exemple, qu'il fallait brûler, et avec les cendres de la vache rousse, on allait purifier les impurs. On ne comprend pas pourquoi. Même Shlomo HaMeler, Alav HaShalom, qui était un homme très intelligent, qui a essayé de comprendre toutes les mitzvot, qui a essayé de comprendre les raisonnements de toutes les mitzvot, cette mitzvah-là, il ne l'a pas compris. Et entre nous, quelle est la raison de cette mitzvah? Nos sages disent, eh ben, justement parce que les jeunes vont se moquer de cette mitzvah, les nations vont se moquer de cette mitzvah, alors qui se moque? Qui se moque? Eux, ils se moquent et nous, on ne se moque pas. Nous, on l'a fait. Les choses qu'eux, ils ne comprennent pas pourquoi on les fait, nous, on les fait. La religion juive, elle est basée sur des lois, des hukim qu'on ne comprend pas. Il y a des lois qu'on ne comprend pas. À tel point que la Torah nous dit, nos sages disent que sera be'alma leka, la récompense de ce monde-là, il ne faut pas s'y attendre à une récompense. Vous faites mitzvah, la récompense est plus tard. Dans ce monde, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de récompense dans ce monde-là. Il ne faut pas s'attendre à une récompense. Il n'y a pas de récompense. Pourquoi il n'y a pas de récompense? Ben justement, parce que la mitzvah, ça dépend comment elle est faite. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice qu'on investit dans la mitzvah. Vous savez très bien, regardez, ce matin, hier soir, je suis parti au lit à 3 heures du matin. Et je devais aller à Genève aujourd'hui pour les shlouchim d'une femme. Donc je me suis levé à 5 heures du matin. J'ai dormi 1h30. Et ce matin, je commençais à réfléchir. Vraiment, je n'arrivais pas à me lever, mais je me suis levé. Pour ne pas rater l'avion. Et je me suis posé une question. Tu vois, David, si c'était pour la prière, pour la synagogue, tu serais levé à 5 heures du matin. Ah, pour les shlouchim, tu te lèves. Ah, parce que t'as monsieur qui t'aide. Vous voyez, malheureusement, on a beaucoup à se reprocher. Je m'excuse de vous dire ça. Moi aussi, ne croyez pas. Nous, il y a beaucoup à se reprocher. Quelque part, à Kadosh Baruch Hu,
Il veut qu'on ne fait pas de différence entre lui et l'autre. Je répète, Hachem, il ne veut pas qu'on fait de différence entre lui et l'autre. Pour se lever le matin pour prendre l'avion pour aller en Israël, pour aller à Eilat, pour se lever le matin pour aller à la fac, pour se lever le matin, même si on n'a pas dormi toute la nuit, on va faire un effort supplémentaire pour se lever, pour aller. Quelque part, quand je vous redis pour moi, quelle différence? Pourquoi pour aller pour tes vacances, tu te lèves tout le matin, mais si tu ne dors pas, et pour moi, tu ne te lèves pas? Je me rappelle une fois, j'étais à Marseille, et je suis arrivé à Lyon, toute la nuit, et j'arrive à Lyon le matin, vers 5h du matin, c'était au Shrodesh, j'étais fatigué. Je me suis dit, David, il faut que tu dors, sinon tu vas craquer. Et je voudrais pardonner. En ce moment que je vous parle, je suis très, très fatigué. J'ai eu une semaine surchargée. Mais ce n'était pas possible de ne pas venir chez vous. C'est impossible. C'est pas possible. Même ma femme m'a dit, David, tu es fatigué, c'est dangereux. Je lui ai dit, c'est dangereux si je ne vais pas. Et finalement, je vais au lit. Et je dis, je vais m'endormir un quart d'heure, une demi-heure. À 7h, je me lève pour aller à la synagogue. Et à un moment donné, vers 7h, on tape à la porte pour aller à la synagogue. Et je lui dis, David, tu n'es pas obligé d'aller. Tu es fatigué. Après, je commence à réfléchir. Je lui dis, admettons que maintenant, en ce moment-là, il y a Edmond Safra, à l'époque, il était encore vivant. Il arrive. On me dit, David, il y a M. Edmond Safra de Genève qui est là, il t'attend. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à dormir? Ou tu vas te lever? Ah, bien sûr, parce qu'il est riche, tu vas te lever. Ah, parce qu'il est riche, tu vas te lever. Et pour accorder, je ne te lève pas. Et en plus, tu vas te lever pour aller le voir. Et peut-être il te donne et un don, peut-être il ne te donne pas de don. Mais là, si tu te lèves pour aller chez Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il te donne quelque chose. Non? C'est sûr qu'il te donne quelque chose. Mes amis, il y a des choses que chacun de nous doit comprendre. Vous êtes tous, Baruch HaShem, en train de passer des examens. N'oubliez pas la leçon de ce soir. Qu'il faut faire des efforts pour Akadosh Baruch Hu aussi. La même façon qu'on fait des efforts pour les études, on ne sait pas si on va réussir ou on ne va pas réussir. On fait des études. Mais on fait des efforts. Ah ben de même, il faut essayer. Il faut essayer de faire de même pour Akadosh Baruch. Parce qu'avec Akadosh Baruch, on gagne toujours. Il y a toujours quelque chose à gagner. Ah, maintenant, je me suis posé une question tout à l'heure. J'ai dit, mais pourquoi Akadosh Baruch, il nous donne des mitzvot qu'on ne comprend pas? Pourquoi Akadosh Baruch, il donne des mitzvot que les goyim, les non-juifs, vont se moquer de nous? Pourquoi ne pas nous donner des mitzvot que tout le monde va dire, ah, ce peuple-là, ils sont super, regardez les mitzvot que le bon Dieu leur a donné. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait, qu'on comprend. Le Shabbat, personne ne le comprend, mais celui qui réfléchit, il va comprendre que le Shabbat, il est important, le Shabbat. Le corps, il a besoin de se reposer. D'accord, ils vont te dire le dimanche. Ben, nous, on va leur dire, pourquoi pas Shabbat? Pourquoi pas samedi? Puisque déjà, Dieu a donné samedi, alors c'est samedi. Pourquoi dimanche? Alors, mes amis, il y a une question que je me pose. La vache rousse, pourquoi donner cette mitzvah que personne ne comprend, alors que les gens vont se moquer de cette mitzvah? Quelle est la raison que Hachem nous l'a donnée? C'est pas la paix qui nous l'a donnée, qui nous donne notre mitzvah. Une mitzvah qu'on va comprendre. Pourquoi la vache rousse? Eh bien, même celui qui réfléchit un peu, cette mitzvah de la vache rousse, on ne peut pas la comprendre. Pourquoi cette mitzvah, la vache rousse, celui qui est impur, on prend une vache rousse, on la brûle, on fait achiketa, on la brûle, et on prend les cendres et on purifie les impurs. Personne ne comprend. Et ces cendres-là, elles étaient dispersées dans tout Israël, et dans chaque ville, ils avaient une cruche de ces cendres-là pour purifier les impurs. Vraiment, on ne le comprend pas. Que Hachem nous donne des mitzvot qu'on comprend. Ce n'est pas parce qu'il nous donne des mitzvot que les gens ils vont se moquer de nous. Akadosh Baruch Hu dit, je sais que les gens vont se moquer de vous en faisant cette mitzvah, alors c'est pour ça que je vous la donne, faites-la et ne vous posez pas de questions.
Hachem, je crois beaucoup en toi, je ne me pose pas de questions. Mais pourquoi tu fais à ce que les goyim vont se poser des questions? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu fais? Vous savez, il y a quelque temps, je vais chez... La première fois dans ma vie que j'ai porté des lunettes, je voyais, j'ai remarqué que je ne voyais pas assez. Donc, on m'a pris rendez-vous avec l'ophtalmo. Donc, lorsque j'y ai été, c'est une femme. Alors, tout de suite, elle me tend les mains. Bonjour. Il y avait un problème. Il y a un problème. Je fais semblant que je ne la regarde pas. Mais elle vient droit vers moi. Elle me dit bonjour. Je lui dis bonsoir. Et je vais lui dire. Je dis, madame, je m'excuse. Elle me dit, quoi? Je dis, je m'excuse. Vous excusez de quoi? Eh bien, je suis rabbin, je touche pas les... Elle me regarde d'un air, ma boule. Elle me regarde d'un air, ma boule. Il est fou, celui-là. Elle a rien compris. Bon, j'ai vu qu'elle a commencé à me faire la tête. Et quelques temps plus tard, elle devait m'excuser, me dire, alors qu'est-ce que je fais? Il faut que je vérifie. J'ai fait ce que vous voulez. Mais je vais vous toucher. Je vais toucher. Elle me dit, je ne comprends pas. Je vous ai donné les mains. Vous dites non. Et là, vous voulez que je touche vos yeux. J'ai une différence. Les mains, c'est les mains. Les yeux, c'est les yeux. Je ne suis pas là pour soigner les mains. Je suis là pour soigner les yeux. Si j'étais là pour soigner les mains, je vous donne mes mains. Pour les soigner. Mais là, c'est les yeux pour vous soigner. Je vous donne mes yeux. Soignez-les. La Torah est dit, verrapo et rapé. La Torah est dit, il faut se soigner. Donc, que ce soit un homme ou une femme, il faut se soigner. Voilà. Elle a fait exprès. Elle a fait que toucher mes yeux. Exprès. Et pour la macrella. Et pour m'énerver. C'est pas grave, je suis tombé au système que je vais faire. Mais, pour vous dire que, par exemple, il y a quelques temps, j'étais en avion, j'étais en voyage. Il y a, par exemple, il y a bon, j'avais soif, je demande un verre d'eau. Et là, l'hôtesse, entre-temps, il y avait un peu, l'avion bougeait beaucoup. Et voilà, ils ont arrêté le service. Et à un moment donné, elle vient quand même, l'hôtesse, avec un verre d'eau, elle me le donne. Mais il y avait un problème. Lorsqu'elle me donne, parce que tellement que l'avion bougeait, elle n'a pas emmené le verre sur un plateau. Elle le prenait dans ses mains, alors elle le prenait comme ça. Mettons, moi, je voyais, comment je vais prendre ce verre? J'avais un problème, comment je vais prendre ce verre? J'ai vu que ce n'était pas possible. De là où je vais le prendre, je vais la toucher. Je dis, madame, j'ai plus soif. Elle me regarde. Bon, je vous le pose quand même. Merci, madame. Vous voyez, Rabotaï, je ne comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, je comprends. Il y a des mitzvot qu'on comprend le raisonnement, pourquoi on ne peut pas les faire. Mais pas des mitzvot qui n'ont pas de raison. Pourquoi? Vous savez, mes amis, que il faut savoir une chose. Le Hachem voulait donner la Torah. Avant qu'il a donné la Torah, il l'a présentée à tous les peuples. Pour ne pas que demain, on vienne lui dire pourquoi tu ne nous as pas donné, pourquoi tu ne nous as pas proposé la Torah. Alors il a proposé la Torah à tout le monde, à toutes les nations. Et chaque nation, il dit Hachem, m'aktiv ba. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Je vous pose une question. Est-ce qu'on peut demander à Dieu, à Hachem, qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? On ne pose pas de question. Quand je vous décide de donner la Torah, il te propose la Torah, tu acceptes la Torah. Tu acceptes la Torah. Et surtout, c'est écrit dans la Torah que toutes les nations, ils ont vu les miracles que Hachem, il a fait en Égypte. Tous les miracles que Hachem, il a fait en Égypte. Shamoam et Megazon, le monde entier, il a vu la grandeur d'Hachem. Tout le monde a commencé à croire en Akadosh Baruch Hu. Pourquoi qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas en Dieu? C'est pas vrai. Tout le monde croit en Hachem, tout le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde qu'on est tellement occupé. On n'a pas le temps de penser un peu à Kadosh Baruch Hu. Et surtout, le Sarah, il ne veut pas nous donner ce temps pour qu'on pense à Kadosh Baruch Hu. Il ne veut pas nous donner ce temps.
Sinon, si on prend un peu de notre temps, comme que le prend à Kippour, si chaque jour, on considère que chaque jour, c'est un peu Kippour aujourd'hui, Bémet, on sera super. On n'aura pas des problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est malheureusement parce qu'on pense Kippour une fois dans l'année. Alors, on s'éloigne pendant toute l'année de la Kosovo. Où est Kippour qu'on se rappelle? Regardez, mes amis, combien c'est extraordinaire. La façon qu'Akash Vahou, il demande aux nations, est-ce que vous voulez la Torah? Lorsqu'il a dit ce que vous voulez la Torah, ça veut dire, est-ce que vous voulez la Torah? Mais la Torah que je vous donne, c'est pas la Torah que vous allez comprendre. C'est des choses que vous n'allez pas comprendre. C'est des lois que vous n'allez pas comprendre. Lorsqu'au Sénat, par exemple, il y a ici dans la rue, un jour, vous allez voir le sens interdit. Alors vous allez demander à monsieur le maire, pourquoi c'est le sens interdit? Et il va te dire, quoi? Ben, on a décidé. Et une semaine plus tard, vous savez, la rue du Plateau, là où il y a nos centres, ça fait déjà 15 ans qu'on est là-bas, au moins 20 fois, ils ont changé les sens interdits. Une fois c'est de ce côté, une fois c'est de l'autre côté, une fois de ce côté, une fois de ce côté. On ne sait pas. Et chaque jour, et le maire, ce qu'il décide, il le fait. Un jour. Mais aujourd'hui, cette semaine-là, ils ont permis maintenant, ils ont changé de sens. Et de l'autre côté, ils ont fait que pour les bicyclettes. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Que pour les bicyclettes. C'est une question. Il faut leur poser cette question un jour. Peut-être ils vont. Mais il n'y a pas de raison. L'Osakadosh Baruch Hu donne une loi, même qu'on ne la comprend pas, peut-être nous, on ne comprend pas la raison, mais lui comprend la raison. Et ben, c'est ça la raison pourquoi les nations, ils n'ont pas voulu accepter la Torah. Ils ont dit, nous, on veut accepter ce qu'on comprend. Les choses qu'on ne comprend pas, ne nous le donnent pas. On ne veut pas. Quand je vois qu'on leur dit, non, si c'est comme ça, ce n'est pas possible. Lorsqu'ils demandent au béni Israël, est-ce que vous voulez accepter la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Na'aseh v'nishma. On est prêt à faire même les choses qu'on ne comprend pas, sans se poser de questions. Et c'est ça la grandeur de Ham Israël. Maintenant, on a toujours cette question qu'on a posée tout à l'heure. Est-ce qu'Hachem il avait besoin de nous donner des mitzvot qui sont sans aucune raison? Est-ce qu'il avait besoin? Au moins par rapport aux nations. Écoutez une histoire que je vais raconter. Une super histoire que je vais raconter. Vous savez que le Gaon de Vilna, Alav HaShalom, il était tzaddik. Tout le temps, il était dans la Torah. Une fois, sa sœur, elle est venue chez lui. Elle n'a pas vu pendant 20 ans. Elle n'a pas vu. Elle tape à la porte. Elle fait un long voyage. Elle tape à la porte. Elle rentre. Il lui ouvre la porte, il lui dit, « Ah, c'est Myriam !» Elle lui dit, « Ouh, Eliyahu, ça fait 20 ans, on ne s'est pas vu. »« Myriam, ça va, tu vas bien? Ça va, tu es mariée? Tu as des enfants? Ils ont fait la bar mitzvah? Tout va bien ?» Elle dit, « Au revoir, ma soeur. » Il ferme la porte. Elle retape à la porte, « Eliyahu, et Rabbi Eliyahu !» Il ouvre, il lui dit, « Ça va, il y a un problème ?» Je dis, mais je veux discuter avec toi, je ne t'ai pas vu 20 ans. Je dis, ma fille, tu ne m'as pas vu 20 ans. On va se dire quoi? On va dire quoi? Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Et après quoi? Après, on va dire quoi? Ça va pas? Ça, tout va bien. Tu es marié, je suis marié, tu es heureux, j'ai des enfants. De quoi tu veux qu'on discute? Dommage, j'étudie la Torah. Et ce monde-là, il est limité. Il y a un temps que Dieu nous a fixé. On ne peut pas rater ce temps. C'est dommage. Après ce 20 ans, si Dieu veut, on va se rencontrer dans l'autre monde. Et là-bas, dans l'autre monde, on a tout le temps possible. On va discuter. Mais dans ce monde-là, c'est dommage. Regardez comment le Gaon de Vilna, il voyait le temps. Lorsque les Américains ils disent « time is money », le temps c'est l'argent, eh bien, sachez très bien que le juif, nous, dans la Torah, on peut dire que le temps, c'est le temps. Il n'a pas de prix le temps.
On ne peut même pas aller la patrie. C'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, pour nous donner la valeur du temps, il nous a donné des secondes, des minutes, des heures, des journées, des semaines, des mois, des années. Et pour nous donner l'image du temps, qu'est-ce que c'est le temps, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là. Et surtout lorsqu'on s'investit à faire une mitzvah, et on dépense beaucoup de temps à faire une mitzvah, qu'on ne comprend pas la raison de cette mitzvah. C'est uniquement parce que c'est Hachem qui nous l'a donné. Alors la récompense de cette mitzvah, elle est inimaginable. Vous imaginez, on est en train quand une femme qui se sépare de son mari, une femme qui est nida, et qui se sépare de son mari pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, elle prend 15 jours de temps, un temps inimaginable. Elle adore son mari l'adore. Il ne peut même pas se passer une assiette. Il ne parle pas plus, il ne se touche pas. Vous imaginez quel temps il se sépare de cette femme-là, et la femme de son mari. Vous imaginez avec quel sacrifice. Je vous donne ma parole d'honneur. Combien de fois ça arrivait. Ça arrivait chez moi à la maison. Que indirectement, lorsque ma femme était nida, et que involontairement, je rentre à la maison, peut-être en rentrant à la cuisine, elle était là, un peu on s'est touché, comme si, vraiment, c'est comme si on avait l'électricité. Pourquoi? Parce que c'est la gravité, parce qu'on veut faire cette mitzvah. Cette mitzvah est tellement importante, on veut la faire. Et lorsqu'on on voit que on a, quelque part, même si c'était involontairement, on marque un regret. On montre qu'il y a eu, on marque un regret. Ah, Hachem, excuse-moi, j'ai pas fait ex. Et pourtant, on ne sait même pas pourquoi. Oui, le mal de donner une beauté à ta femme, qui est nida. Et alors, la Torah, elle interdit les rapports, mais pas lui. La Torah, elle interdit pas de lui donner. C'est Hachami qui sont venus, ils ont mis une séparation pour éviter, pour ne pas tenter le Satan. Alors, Hachami, ils ont dit, il ne faut même pas se toucher, il ne faut même pas. Je comprends, mais vous imaginez quel sacrifice ça donne. Pour ce sacrifice-là, à Kadosh Baruch Hu, le temps, vous savez combien de sacrifices on se sacrifie, combien de temps on se sacrifie pour garder une mitzvah qu'on ne comprend même pas pourquoi. Alors la réponse, la récompense, elle est inimaginable. Vous savez que la sœur du Gaon de Vilna, un jour, elle était avec sa copine et ramassait de l'argent pour les pauvres. Chaque semaine, ils allaient ramasser de l'argent et prenaient l'argent pour les pauvres. Écoutez ça. Et un jour, et ils avaient l'habitude chaque vendredi d'aller chez un riche, et ce riche-là, il leur donnait toujours une somme. À midi, ils allaient chez lui, il leur donnait une somme. Et un jour, ils arrivent, ce fameux vendredi, ils arrivent un peu en retard, ils arrivent en retard, et ils voient le riche qui sort de la maison, il monte dans sa voiture, la voiture de l'époque. Et voilà, Myriam, elle dit à sa copine, Hana, tu vois, le riche, il faut qu'on fait un peu plus vite parce qu'il va partir. Ils ont fait un peu plus vite, ils arrivent. Le riche leur a dit, je vous ai attendu, ça m'a étonné que vous n'êtes pas venu. Voilà, je vous ai gardé le don que je vous donne chaque vendredi. Quelques temps plus tard, la fille, la copine de Myriam, était gravement malade. Elle était gravement malade. Elle était en train de quitter ce monde. Et Myriam était là à son chevet et lui disait, nous avons travaillé ensemble. On était les deux, on a travaillé pour le peuple d'Israël. Mais toi, tu vas me quitter. Et je ne sais pas ce qui se passe là-haut. Je sais que ta place, elle est là-haut avec Sarah, Rivka, Rachel, Béléa. Je sais que ta place, elle est avec les Mahot, nos mamans, Tzatkaniot. Je t'en prie, si tu peux, fais-moi un service. Viens dans mon rêve, viens chez moi, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Raconte-moi un peu, parce que on n'a jamais vu, on n'a pas eu de touristes ici, on peut aller là, on peut aller partout, mais l'autre monde, à Chemishmor, celui qui y va, il ne retourne pas. Alors, on n'a pas eu des gens qui sont partis visiter l'autre monde. Alors, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un une fois qui me dit, Rabbi David, parce qu'une fois j'ai donné un cours, et beaucoup de fois, j'ai parlé sur le monde futur. Il me dit, monsieur le rabbin, je peux vous poser une question devant tout le monde.
Dans tout le monde. Bon, j'ai dit, si je ne réponds pas, il risque de faire, il va commencer à crier. La façon qu'il a posé la question était très agressive. J'ai dit, bon, pose ta question. Il me dit, quelle preuve vous avez qu'il y a l'autre monde? Je le regarde, je lui dis, quelle preuve tu as qu'il n'y a pas l'autre monde? Quelle preuve tu as qu'il n'y a pas l'autre monde? Moi, je n'ai pas de preuve. Mais à travers la Torah, je sens la preuve. Mais toi, tu n'as aucune preuve qu'il n'y a pas l'autre monde. Parce que tu n'as ni Torah, ni rien du tout. Donc, pour toi, c'est grave. Pour moi, grâce à Dieu, je suis très convaincu, je suis très croyant. Je n'ai même pas un doute que je vais douter qu'il n'y a pas l'autre monde. Parce que ce n'est pas possible. On n'est pas des animaux. Ce n'est pas possible. On n'est pas là que pour manger, dormir et c'est tout. Et se promener, vivre. La vie qu'on mène aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose. Attends, lorsque quelqu'un il voyage quelque part, un voyage d'affaires, il fait des affaires. Lorsque quelqu'un il voyage pour se reposer, il se repose. Il y a une raison. De tous les déplacements, il y a une raison, oui ou pas. À chaque chose qu'on fait, il y a une raison. On ne va pas dire que, vous savez, il n'y a pas de raison qu'on est là sans raison. Donc après ce long voyage, il y a quelque chose. Vous savez, une fois, je suis parti au Brésil. Et dans l'avion, il y avait avec moi un professeur de l'évolution. C'est quelque chose que dont beaucoup des universités parlent beaucoup de l'évolution et c'est un thème que j'adore. J'adore ce thème-là, j'adore l'évolution. Le mot évolution, je l'aime. Mais j'ai une autre manière de voir l'évolution. Pour moi, l'évolution, c'est quoi? C'est pas l'évolution, comme ils disent. Ils disent l'évolution, c'est qu'on était des singes, ou on était des cookies, ou des crevettes, ou on était un petit insecte, et on est devenu. Et Blehenara, quelle évolution! Quelle évolution, aïe aïe aïe, derrière, d'une crevette, tu es devenu un homme, tu as passé toutes ces images-là de préhistorique, les stars, tu vois ces hommes-là, ça fait... Bon, non, je les vois, beaucoup de fois je les vois, je lui dis, David, tu te rends compte? Voilà ce qu'ils disent, voilà ton grand-père, Zirkhonetwa. Voilà, Zirkhonetwa, voilà ton grand-père, regarde. La boline, Bémet, c'est la boline. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, et tu crois ça? Alors, ce professeur-là, je lui dis, mais parce qu'il m'a montré, mais c'est un professeur, ça marque un professeur. Il voit que moi, je suis rabbin, et lui, c'est un professeur, ça ne marche pas, ça ne peut pas y aller. Donc, on a fait discuter. Mais à la fin, je l'ai coincé. Je lui ai dit, l'évolution, c'est l'évolution, ça veut dire avancer, voilà, c'est. L'évolution. Maintenant, on est arrivé de là à on est arrivé à là. Maintenant, je suis arrivé à ce que je suis. Alors, je vais arriver à où maintenant? Et l'évolution, il faut. Ça continue. Je vais devenir quoi? Un oiseau? Je vais devenir quoi? Je vais retourner à être une crevette? Je vais devenir quoi? C'est quoi l'évolution? L'évolution, elle ne s'arrête pas, elle se continue. Je me dis, ben, justement, c'est un problème. Et je dis, c'est un problème. Chez nous, dans la Torah, il n'y a pas de problème. Bereshit, Bara, Elohim, Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'homme. Et l'évolution, elle commence à partir de la naissance de cet homme-là. Et Hachem lui a donné la Torah pour l'évolution, pour être mieux, pour être mieux, pour être un homme. Vous croyez que c'est facile d'être un homme? C'est facile d'être un être humain? C'est pas facile. C'est très dur d'être un homme. Un homme qu'on peut le différencier de l'animal. C'est pas facile. Il y a la Torah, Baruch Hashem. Il y a la Torah. Hashem nous a donné la Torah. Et bien justement, mes amis, cette femme-là, Myriam, lorsqu'elle voit sa sœur, sa copine qu'elle est morte, et chaque jour, elle se réveille, elle n'a pas rêvé, et un jour, elle la rêve. Il lui dit, ma copine, je t'ai entendu,
je t'appelle, que tu n'es pas venu dans mon rêve me dire qu'est-ce qui se passe, où tu es. Il dit, Baruch Hashem, je suis bien, n'aie pas peur, grâce à Dieu, je suis bien. Mais je dois te dire une chose. Et surtout, c'est la raison pourquoi je suis venu chez toi aujourd'hui. Parce que là-bas, on n'a même pas le temps. C'est dommage ce temps-là que je suis avec toi. Tu ne peux pas imaginer le plaisir que j'ai dans ce monde-là. En te parlant, je perds de ce plaisir-là. Mais je suis obligé, parce que je t'ai promis, et je ne peux pas... Et je t'ai promis, on m'a rappelé que je t'ai promis une promesse. Et ce monde-là, c'est Olam Emet, c'est le monde de la vérité. On n'a pas le droit de mentir. Donc, je suis obligé de venir. Dis, tu sais, dans ce monde-là... C'est pas calculé comme les calculs que dans l'autre monde vous faites. Dans l'autre monde, vous faites mitzvah, tu donnes la tzedaka, tu dis voilà, je fais la tzedaka. On vient à la synagogue, on met tefillin, voilà, on a fait une mitzvah. On fait Shabbat, on a fait une mitzvah. Elle lui dit, tu sais, ici dans ce monde-là, lorsque quelqu'un quitte ce monde, elle commence à calculer les mitzvot qu'il a fait. On calcule pas comment il a fait les mitzvot. On calcule l'effort qui s'est investi dans la mitzvah. Les tu te rappelles, lorsque un vendredi, les deux, on est parti chez le riche, et qu'on est arrivé en retard, et que toi, tu as dit, tu as pointé avec tes mains, tu as dit, le riche, il quitte la maison. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Tu te rappelles que moi aussi, j'ai levé mon doigt. Et on courait vers lui. Eh bien, ils ont calculé la mitzvah. Ils m'ont donné une récompense plus lorsque j'ai levé les mains que la mitzvah que j'ai fait, que j'ai couru pour recevoir l'argent. Parce que lorsque j'ai levé les mains, c'était un effort supplémentaire. Parce que courir, c'est normal. Mais lever les mains, c'est pas... En général, on ne lève pas les mains. Mais c'est-à-dire que j'ai fait cette mitzvah en levant les mains aussi. Donc ça, on me l'a calculé plus, l'effort. Ben justement, mes amis, moi je pense que Kadosh Baruch Hu, il a une raison pourquoi il nous a donné des mitzvot qui n'ont pas de raison à comprendre. Ils n'ont pas, on ne les comprend pas. Pour une raison, écoutez bien, je vous en prie, vous allez avec mes côtés une minute. Lorsqu'une maman, elle entend son fils pleurer la nuit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle lui donne un biberon. Voilà encore, il va pleurer encore. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever encore. Elle va essayer de lui donner la sucette. Il va pleurer encore. Ah ben, elle va se lever, mskine, encore. Elle va le prendre. Elle va commencer à danser avec lui. Elle va commencer à chanter. Elle va commencer à le bercer. Il ne va pas dormir. Alors, elle aussi, elle ne va pas dormir. Pourquoi? Parce que c'est son fils. Maintenant, si c'est un autre bébé étranger qui pleure, est-ce que la maman étrangère, elle va se lever? Non, c'est pas son fils. Elle va se lever que pour son fils. Pourquoi? Parce que c'est normal. Parce que pour un fils, on fait des efforts. Pour un fils, on fait un grand effort. On va même se priver. Comme en Israël, il y avait cette femme-là, que lorsqu'il y a eu un kamikaze, elle a vu le kamikaze. Elle avait son bébé, et lorsqu'elle a entendu Kamigas dire Allahu Akbar, tout de suite elle a compris, et s'est jetée sur son bébé. Elle a reçu toute la bombe. Elle est morte, mais pas le bébé. Pourquoi? Parce que c'est son fils. Pour un fils, on fait un sacrifice. Pour un fils, on ne voit pas le temps. Pour un fils, on ne voit pas le sacrifice qu'on fait pour lui. Pour un fils, c'est normal. Parce que la nature, elle est faite comme ça. Eh bien, mes amis, écoutez bien. Hachem, il veut qu'on arrive à un point. Je vous en prie, écoutez bien, ça c'est important pour vous d'écouter. Hachem, il veut qu'on arrive à un point qu'on doit l'aimer. Sans se poser des questions. Faire des efforts pour lui. L'aimer. Et comment? Comment je vais l'aimer? Comment je vais faire des efforts pour lui? C'est la raison pourquoi il nous a donné des mitzvot qu'on ne comprend pas la raison. On ne comprend pas la raison. Pourquoi? Parce qu'en faisant ces mitzvot qu'on ne comprend pas la raison, pourquoi on les fait, on éprouve à Hachem qu'on l'aime. Tu vois, Hachem,
Je ne comprends pas ce que tu me dis. Et je l'ai fait. Je ne me pose pas de questions. Je l'ai fait. À Kadosh Baruch Hu, pour les nations qui rigolent, ce n'est pas son problème. Ce que Hachem a l'importance, ce qui est important pour Kadosh Baruch Hu, c'est Am Israël, le peuple juif, qui va les faire sans rigoler et qui va les faire avec amour. Vous savez, mes amis, je vous pose une question, mais vous allez essayer de me répondre à cette question. Vous avez une preuve que vous aimez Dieu? Si maintenant je pose la question à vous tous, à chacun va me répondre, oui, j'aime Dieu. Bien sûr, j'aime Hachem. Il va y avoir quelqu'un qui va me dire, oui, je l'aime. Oui. Après il va hésiter, après il va dire, non, je l'aime. Peut-être qu'il va y avoir un qui va avoir le courage, qui va me dire, je n'aime pas, je ne connais pas, je ne sais pas. Ben, je tire mon chapeau, parce qu'au moins, il a dit les vérités. Dans la vie, il ne faut pas être hypocrite. Vous savez, une fois, en Amérique, j'étais un Shabbat avec les Hasidim. Vous savez, les Hasidim font le tish. Samedi soir, tout le monde s'est réuni. On parlait jusqu'à 2-3 heures du matin. Il y avait un Hasid avec Shtraimel, il y avait un Hasid qui était là. Et il posait des questions, à un moment donné, bon, le lendemain était là aussi, et voilà, dimanche matin, j'allais à Manhattan, et je voyais un juif, un monsieur, pas un juif, un monsieur, oui, c'était un juif, bien sûr, il y avait une kippa, était habillé en jean, un t-shirt avec une tête d'un, je ne sais pas quelle tête, et je commençais à le voir, je dis, mais celui-là, je l'ai vu, celui-là. Mais celui-là, je le connais. Et il faisait des patins avec des comment ça s'appelle, une radio de ses mains, une radio du rock, des chants. Je dis, mais celui-là, je l'ai vu, celui-là. Mais où je l'ai vu? Hop! Je l'ai vu vendredi soir, je l'ai vu samedi, il était avec le Shtraimel. Il était avec l'habit Hasidim. C'est pas pour le système au repas. Je dis au chauffeur, je t'en prie, arrête. Il s'arrête, je fais « Ah, ah !» Il dit « Ah, rabbi !» Je dis « Es-tu où ?» Parce que, imaginez-vous, moi, vous me voyez dans ce... Mais pas imaginer, pas jamais je le ferai. Même à pourri, je ne le ferai pas. Donc, on peut pas... Mais c'est pas possible. Ah, c'est une barbe. Je dis, il m'a dit « I know, je sais. » Je dis, alors c'est quoi? Explique-moi, c'est quoi? Ouais, tu es Hassid Shabbat, dimanche je suis, je sais pas, c'est quoi ça? Il me dit, vous savez, moi je suis de la Californie. Moi j'étais pas religieux, pas du tout. Et, ben pour travailler, j'ai trouvé du travail ici à New York. Et j'ai mon boulot, travail ici à Borough Park. Et je dis, alors? Et alors, je ne suis pas religieux. Mais c'est quoi ça? Il me dit, I follow the crowd. Je suis le mouvement. Oui, si tout le monde s'habille comme ça, moi aussi je m'habille comme ça. Je lui ai dit, mais t'es fou. Tu savais si quelqu'un se jette par la fenêtre, toi tu te jettes par la fenêtre. Mais attends, mais c'est une conviction. C'est pas I follow the crowd, c'est pas je suis le mouvement. C'est quoi ça, je suis le mouvement? La religion, c'est pas suivre le mouvement. La religion, elle se cherche. L'aïmouna, elle ne s'achète pas. L'aïmouna, la foi, on ne la reçoit pas en héritage. On la cherche. Vous faites des études, vous ou pas? Vous faites des études pour être médecin? Vous faites des recherches? Eh bien, c'est pareil avec l'aïmouna. On fait des recherches. Ça se cherche. On se cherche. Et on écoute des cours. Et on pose des questions. Et après, on développe. Et on se développe. Et c'est ça l'aïmouna. C'est pas je suis le mouvement. Il n'y a pas de mouvement ici. Il faut suivre. Alors je vous pose une question. Essayez de me donner une réponse. Est-ce que vous aimez Dieu? Vous allez me dire oui. Mais quelle preuve vous avez? Quelle preuve vous avez? Écoutez, votre papa vous l'aimez, vous le voyez. Votre maman vous l'aimez, vous la voyez. Vous savez, mais j'ai des enfants. Je les adore, je les aime. Je les vois, ils sont là. J'ai mes petits-enfants, je les aime, ils sont là.
Quelle preuve j'ai? Hachem, je l'aime, d'accord, mais quelle preuve j'ai que j'aime Akadosh Baruch Hu? Peut-être je me trompe, peut-être c'est une habitude. I follow the crown, c'est une habitude. J'aime Dieu, oui, oui. Parce que chaque jour je dis dans la case, je m'appelle Aftait Hachem Elokera, il faut aimer Dieu, alors je l'aime, oui. Mais qui me dit que je l'aime? Mais Akadosh Baruch Hu, il me demande quelque chose que, de dur, hein? Hachem, moi je ne le connais pas, Akadosh Baruch Hu, je ne l'ai jamais vu. Il me dit à Kadosh Baruch Hu, il faut m'aimer. Ve'afta et Hashem Elokecha, il faut aimer Hashem, ton Dieu, avec tout ton cœur, avec ton argent, ton âme. Attends, Hashem, d'où je te connais? D'où je te connais? Une fois, j'étais chez Rav Shach, alav shalom, avant qu'il est mort. Écoutez, on est resté une heure, on a parlé de tout. À la fin, je lui dis, Kvod Harav, donne-moi quelque chose qui peut me convaincre de ma émouna. Moi, David Pito, j'ai grandi dans une maison de foi, Baruch Hashem. J'ai aucun doute, Hasfe Haïla. Le contraire, je progresse avec ma émouna chaque jour. Bémet, il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu. Dommage. Les gens, ils perdent. Les gens, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Ils ne savent pas. Ils ont un bon papa à côté, Avinu Malkinu. Il le met de côté. Dommage. Moi, grâce à Dieu, Baruch Hashem, je remercie à Kadosh Baruch Hu. Ce que je lui demande, Baruch Hashem, il me le donne, grâce à Dieu. Il ne me manque rien du tout, Baruch Hashem. Je demande à Kadosh Baruch Hu, je demande. Et je demande, si j'aurais demandé à mon père, peut-être il va me donner, peut-être il ne va pas me donner. À Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il va me donner. S'il ne me donne pas, il y a une raison pour qu'il ne me donne pas. Mais, je lui demande quelque chose. J'ai dit, Rav Shach, à la Vachon, dis-moi quelque chose qui va m'aider un peu plus pour progresser. Il me dit, phrase simple. Regardez, c'était un Rav qui était très. Il avait 100 ans. Il lève ses mains. Il me dit, vous savez que le matin, c'est vrai que le matin, les gens, ça, je répète exactement les paroles qu'il m'a dit, Rav Shach, à la Vachon. C'est des paroles, je les ai répétées des milliers de fois, C'est des paroles simples. C'est des paroles tellement simples, mais il fallait voir de quelle façon il les a dit. Parce qu'il y a des paroles simples, il y a des paroles comme les paroles ils sont dites. Les paroles, la façon comme les paroles ils sont dites, c'est ça. C'est ça qui vont faire la conviction de ceux qui vont entendre. Il me dit le matin, lorsque quelqu'un se lève, il bouge ses mains, il regarde, il voit, il entend. Mais il s'est posé une question dès qu'il s'est levé. Comment il bouge ses mains? Quoi? C'est un robot? Il y a une force? Il y a quelqu'un qui l'aide à bouger ses mains? Il y a quelqu'un qui l'a réveillé? Il y a quelqu'un, il y a une puissance. Si chacun, chaque matin, lorsque l'homme, il dort, il est considéré comme un mort, au moment qu'il se lève, il voit comment il regarde, comment il voit, Baruch Hashem, il va se renforcer dans l'Emouna. Lorsque aujourd'hui tu vas parler avec un scientifique ou un savant ou de ceux qui croient dans l'évolution, il va te dire ouais, les mains bougent parce qu'il y a des muscles, il y a ça. Albuquerque, ne parle pas de muscles. mais ces muscles-là, qui fait fonctionner ces muscles-là? Attends, il y avait quelqu'un. Des thèses, il y a un mec qui fait une thèse. Attends, mais laisse-moi ta thèse. Ta thèse, elle est vraie, je comprends ta thèse. Mais attends, mais il y a une vie, cette vie qui la donne. Il y a une vie, il y a cette vie-là. Tout à l'heure, en venant de Genève, on est venu avec monsieur. Comment il s'appelle Monsieur Vincent, monsieur Azran. Il y avait beaucoup de circulation. Beaucoup de circulation. Presque une heure. Et malheureusement, on a vu pourquoi il y avait le bouchon. C'était un accident et on voyait un corps en venant de là, un corps couvert avec un drap blanc. Et c'est ça qui a fait que. Et j'ai dit, David, tu vois, ce monsieur-là, il y a un quart d'heure, il était vivant. Vivant. Il est sorti.
pour acheter quelque chose, ou il est sorti pour peut-être pour aller au travail. Il n'est pas sorti sans raison, ou il est sorti pour mourir. Chacun de nous, il a un zman que Hachem lui a donné. Et personne ne connaît ce zman, ce temps, combien il va durer. Et ce temps, on peut le multiplier par milliards de fois. Lorsqu'on fait mitzvah, qu'on ne comprend pas la raison pourquoi on l'a fait, et non seulement qu'on l'a fait, mais on l'a fait avec amour. Et on l'a fait avec misirut nefesh, avec sacrifice. La Torah nous a donné une mitzvah qu'elle est simple. Aide ton prochain comme toi. C'est dur, hein? Hein? Je t'en prie. Est-ce que c'est possible d'aimer ton prochain comme toi? Je vous en prie. C'est dur. C'est dur. Moi, avec cette barre blanche que vous voyez, même moi, Bémet, c'est dur. Peut-être mon fils, je peux l'aimer comme moi, parce que c'est mon fils. Mais mon prochain, mon voisin, l'aimer comme moi, c'est dur. C'est dur. Et justement, Hachem, il nous a donné une mitzvah tellement dure à accomplir. C'est dur, c'est dur. Aime ton prochain comme toi. Comment je vais aimer mon prochain comme toi? Ben oui, c'est une mitzvah très dure à accomplir. Mais justement, Rabotai, cette mitzvah-là, si Hachem nous l'a donnée, c'est parce qu'on peut la faire. Le premier qui l'a fait, c'est Abraham Abinu, alav shalom. Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron. Ces mitzvot-là, ils les faisaient très bien. Ils aimaient leurs prochains comme eux. Moshe Abinu, il aimait les autres plus que lui. Abraham Abinu, alav shalom. Il a dit, nous, rien à faire, va faire. Je ne suis rien du tout. Regardez, pour Lot, il a risqué sa vie. Il est parti pour le libérer lorsqu'il a entendu qu'il a été kidnappé. Il a risqué sa vie. C'est la Torah, elle nous dit, aime ton prochain comme toi. C'est possible, on peut se travailler. On peut se travailler. Je vous donne la parole d'honneur, il y avait quelqu'un à Marseille, je ne peux pas vous dire son nom. Ce quelqu'un de Marseille vient chez moi le jour de son mariage. Il vient avec une liste des gens qui sont malades. Je lui dis, Daniel, mais c'est le jour de ton mariage. Qu'est-ce que tu penses? Mais dis, Rabbi David, ben justement, le jour de mariage, j'ai envie que ces gens-là, ils soient en bonne santé. Et ceux-là, ils ne sont pas mariés. C'est extraordinaire. Daniel, je suis fier de toi. Si on n'aime pas celui qu'on voit chaque jour, comment on va aimer Dieu qu'on ne voit pas? Mais si on aime celui qu'on voit chaque jour, on l'aide, on lui fait, on l'aide, on le soutient. Alors bien sûr, si on arrive à aimer quelqu'un qu'on voit chaque jour, on peut arriver à aimer à Kadosh Baruch Hu qu'on ne voit pas. Mais si on n'aime pas, on ne fait pas attention à quelqu'un qu'on voit chaque jour, comment on va aimer à Kadosh Baruch Hu? Donc quelque part, Kadosh Baruch Hu nous a donné une solution, comment arriver à l'aimer? Comment on peut arriver à aimer à Kadosh Baruch Hu? Ben si on aime le prochain, aime ton prochain comme toi. Zeklal Gadol Batora, il dit Rabbi Akiva. C'est possible d'aimer quelqu'un. C'est possible. C'est possible. Hachem, il a voulu, il nous a donné des mitzvot dures à faire. Des mitzvot qu'on ne peut pas imaginer. Des mitzvot qui sont très compliquées à faire. Qu'on ne comprend même pas comment on peut les faire. Mais justement, lorsqu'on les fait, Hachem, il a voulu nous aider à arriver à l'aimer. À s'investir dans ces mitzvot-là. Pour arriver à l'aimer, à aimer à Kadosh Baruch Hu. Et a priori, c'est dur d'arriver à aimer à Kadosh Baruch Hu avec les mitzvot qu'il nous a donné à faire, qu'on ne comprend pas pourquoi il faut les faire. Et bien justement, Rabotai, chaque juif, il peut être aidé. Chacun de nous ici, il a une neshama, il a une âme. Chacun de nous présents, il a une neshama.
Il a une âme qui fait partie de HaKadosh Baruch Hu. Le Hashem Ozer Eno Yacholo. Et HaKadosh Baruch Hu nous aide. On a les deux HaKadosh Baruch Hu. Il faut avoir la volonté pour avancer. Et d'avoir en mettre fin à l'autre. Lorsqu'on a la volonté pour arriver, on peut arriver. On peut arriver. Mes amis, il y a quelque temps, ce matin, j'étais à Genève pour les chlouchifs de cette femme-là. À 200 mètres, il y a le tombeau de Edmond Safra, à la Bachelor. Il y a quelque temps, j'étais sur le tombeau de Edmond Safra pour... C'était par curiosité. Ce monsieur-là, qui était Blainara, qui était riche, qui avait des banques, Et je l'ai connu. Ce que j'ai aimé en lui, c'est que lorsqu'à New York, il y a une dizaine d'années, je recevais les gens à Manhattan, il est venu, ils ont voulu le faire entrer en premier. Il leur a dit non. C'est pas parce que je suis riche, je dois passer le premier. J'attends. Et il a attendu 2-3 heures comme tout le monde. J'ai beaucoup admis cette façon, cette anava qu'il avait. Donc, je ne suis pas dû lui rendre hommage. Et sur sa tombe, j'ai vu, c'était écrit, ici repose Raphaël Edmond Safra, qu'il a aidé les écoles, et qu'il a aidé les pauvres. Et je commençais à réfléchir, j'ai dit, David, tu vois, c'est pas écrit sur sa tombe, ici repose Edmond Safra, qu'il avait une banque, à Genève, qu'il avait une banque à New York, et qu'il avait une banque à Miami, qu'il avait une banque à Saint-Paulo. Parce que toutes ces banques-là, il ne va pas les prendre avec lui. Il l'avait. Mais ils ont écrit, ici repose Edmond Safra, qu'il a aidé les pauvres, qu'il a fait des écoles. Ces mitzvot, ça continue. Un homme qui a laissé une banque, ben la banque, ou c'est l'État qui la prend, ou c'est ses enfants qui prennent la banque. Mais quelqu'un qui a laissé une lettre de Torah, quelqu'un qui a fait une mitzvah, quelqu'un qui a aidé un couple pour se marier, quelqu'un qui a aidé la construction d'une synagogue ou la construction d'une yeshiva, ça il le prend avec lui là-haut. Ça il le prend avec lui là-haut. Maintenant, Rabotai, vous comprenez très bien les écoutes que vous avez. Pour Rachid, vous avez une équipe. Mais je vous donne un pardon, je suis très fier à votre devoir. Et je ne regrette pas d'être venu chez vous ce soir. Behemet, vous êtes super. Blainara, vous êtes des garçons extraordinaires. Behemet. Alors que vous avez beaucoup des... Vous avez des examens, je sais que vous avez beaucoup à faire, et malgré tout, vous faites un effort. Je vous donne la parole d'honneur. Vous ne pouvez pas imaginer combien Hachem est fier de vous. Vous savez, en ce moment, quand je vois, il doit dire à Abraham, Yitzhak, Yaakov, viens Abraham, viens, venez avec moi à Créteil. Venez, on va voir qu'est-ce qui se passe à côté d'une fac. Venez voir tous ces jeunes-là qui sont là, garçons et filles, qui écoutent un cours de Torah en plein période d'examen. Je dois la parole d'honneur. C'est vrai que vous pouvez imaginer. C'est vrai que je pouvais vous montrer, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. C'est vrai que vous pouvez voir quelque chose. Et bien, vous aurez changé. Mais ça suffit déjà que vous êtes là. Vous savez qu'Abraham Avinu, alayhi shalom, lorsqu'il a perdu sa femme, Sarah, c'est écrit qu'il est venu pleurer. Vayabo, Abraham, l'espouse Viliprot, il est venu pleurer, parler sur Sarah. Pleurer, ça choque. Quelqu'un qui aime sa femme, quelqu'un qui a vécu avec sa femme, Bléana, plus que 100 ans. Bien sûr qu'il va la pleurer. C'est quoi, il est venu pleurer? Bien sûr qu'il va la pleurer. Qu'est-ce que la Torah nous dit là, il a pleuré? Il est venu pleurer. Bien sûr qu'il va la pleurer.
Pourquoi lorsque mon père à la vache, il est mort, la pauvre ma mère, est-ce qu'elle a pleuré? Ma femme, jusqu'à maintenant, elle pleure son père et sa mère qui sont morts il y a 22 ans. Jusqu'à maintenant. Je vous donne la parole d'honneur. Lorsque ma femme, elle va à Ashdod, elle va pèleriner sa mère, on dirait que sa mère, elle est morte. Elle est morte hier. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle compose des chants en arabe, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je dis, Viviane, ça suffit. Elle me dit, mais c'est ma mère, j'ai ma mère. Je n'ai pas encore oublié ma mère. Alors qu'on dit qu'on oublie le mort, elle n'arrive pas à l'oublier, elle n'arrive pas à l'oublier. Ah, c'est normal, c'est tout à fait normal. Abraham Abino à la vache, il vient pleurer Sarah, bien sûr qu'il la pleure. Qu'est-ce que la Torah est venue nous enseigner? Abraham est venu pleurer Sarah. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, ça arrive que lorsque je pleure, vous pleurez vous aussi. Lorsque je rigole, vous rigolez. Lorsque je fais une grimace, pourquoi? Parce que beaucoup de fois, on pleure. On a des émotions, parfois on pleure parce qu'on a peur, parce qu'on pleure. Beaucoup de fois, il y a des raisons pourquoi on pleure. Ou bien on se reproche, c'est pour ça qu'on pleure. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on pleure. Et bien justement, Abraham Abinou, à la vache alors, lorsqu'il a pleuré sa femme, il n'a pas pleuré sa femme parce que Ayam est ragué, parce qu'il est émotionné, parce que c'est sa femme. Non, il a pleuré. Qui va aider ces femmes? Jusqu'à maintenant, Sarah, elle aidait les femmes à connaître Akadosh Baruch Hu. Voilà Ahavat Azulat qu'il avait Abraham. Abraham, il n'a pas pleuré sa femme parce que c'est sa femme, c'est ses moitiés. Non, il a pleuré sa femme parce que qui va aider à convaincre les femmes à croire en Dieu? Avant-hier, j'étais chez Rav Steinman, avant-hier, et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Rav Steinman, voilà, je vous pose une question. J'ai envie de retourner en Israël. Voilà, j'ai envie. Voilà, j'ai 60 ans et j'ai envie de retourner en Israël. Il me regarde. Il me dit, vous êtes en France, vous êtes en France parmi ceux qui font le travail d'Abraham Abinou, qui mettent les Juifs dans la Teshuvah. Alors, si tu viens en Israël, ici en Israël, il y a beaucoup d'Abraham Abinou, en Israël. Il y a beaucoup de gens qui font le travail d'Abraham Abinou. Mais en France, tu fais le travail qu'il faisait Abraham Abinou. Tu ne peux pas venir. Regardez les réponses qu'ils avaient. Je dirais ça pour vous aussi. Vous aussi, vous faites le travail d'Abraham Abinou. Vous aussi, vous faites le travail d'Abraham Abinou. Chacun qui s'occupe des jeunes comme vous, il fait le travail d'Abraham Abinou. Et qu'est-ce qu'il faisait Abraham Abinou? Et qu'est-ce qu'il faisait Sarah Imeno? Sarah Imeno s'occupait des jeunes filles. Elle s'occupait des jeunes filles. Et c'est ça, Rabotaï. Vous rendez quel temps ils avaient. Tout le temps qu'ils avaient, tout le temps que Sarah Imeno avait, tout le temps de sa vie, elle l'a consacré pour autre vie, pour les autres. Tout le temps qu'il avait Abraham Abinou, et c'était pour les autres. Voilà Abraham Yitzhak Yaakov. C'est inimaginable. Attends, moi j'ai une famille. Pourquoi je vais consacrer ma famille, mon temps pour les autres? Pourquoi pas pour ma famille, pas pour les autres? Eh bien justement, ça c'est quoi quand je vois. Regardez Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Regardez David HaMelech, regardez Aaron HaKohen, regardez Abraham Yitzhak Yaakov. Ils ont consacré leur vie pour les autres, leur temps pour les autres. Et tout ça, pourquoi? Pour ramener tout le monde dans le bon chemin. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous êtes en train de faire maintenant. C'est incompréhensible. Si maintenant quelqu'un, un non-croyant que vous dites où vous étiez, vous allez dire, ben, il est parti écouter un cours. Un cours? Quel cours? Eh bien, un cours. Quel cours? Tu es en plein examen, en plein contrôle. Quel cours? Eh bien, un cours. Entre vous et moi, vous avez gagné quoi de ce cours-là? Vous avez gagné quoi? Ben, vous avez gagné une chose. Vous avez gagné ne pas se poser des questions. Vous avez gagné à aimer les choses que vous ne comprenez pas. Et étudier la Torah. Est-ce qu'il y a une raison? Il n'y a pas de raison. C'est un hoc. Zot hokat la Torah. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tant que les femmes ne sont pas obligées d'étudier la Torah, nous aussi, on n'est pas obligés d'étudier la Torah. Mais justement, quand je vois au cours, il veut qu'on étudie.
Et pourquoi? Eh bien, c'est comme ça. Il n'y a pas de pourquoi. C'est comme ça. Et bien, mettre, lorsqu'on étudie la Torah, par exemple, moi, je ne suis pas Kohen. Je lis les halakhot des Kohanim, mais je ne suis pas Kohen. Pourquoi je vais lire? Ben, c'est de la Torah, mais je ne suis pas Kohen. Je ne suis pas Shohet. Je lis les halakhot Shechita, mais je ne suis pas Shohet. Mais je lis les halakhot Shechita, mais je ne suis pas Shohet. C'est pas grave, c'est de la Torah. C'est de la Torah. Maintenant, la bouteille, je termine avec une histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire que vous allez beaucoup l'aimer. Je l'ai raconté plusieurs fois ce mois-là, mais c'est une super histoire. Chez nous, à la rue du Plateau, à la Yeshiva, il y a un des rabbanim, qui s'appelle Haïm Berda, qui s'occupe, qui donne des cours de Torah le Shabbat et deux, trois fois par semaine. Ce Pessah, il est parti passer Pessah en Espagne avec sa femme et ses gosses. Et lorsqu'il est arrivé à Barcelone, il demande à sa femme, tu as pris les passeports de sur la table ce matin? Elle lui dit, et depuis quand moi je m'occupe des passeports? C'est ton travail? Il dit, alors on a un problème, on n'a pas de passeport. Alors imaginez-vous, ils étaient dans un état lamentable, parce qu'ils étaient à 2-3 heures avant Pessah. Où ils vont passer Pessah? Les galets de Pessah, le CDR et la Gada, et qu'est-ce qui va se passer? Et il était comme un fou. Elle lui dit, Haïm, qu'est-ce que tu... Bon, elle a commencé à crier. Et les enfants, et on va dormir. Même si on veut retourner à Paris, c'est impossible. Dans 3 heures, Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit, tu sais quoi? Voilà, je prends 500 euros et je les donne pour les pauvres. Je les fais don pour les pauvres. Et que la chimie fasse qu'on traverse et que personne, que la police ne nous arrête pas. Et on traverse. Et lui dit, bon, on va traverser la France et l'Espagne. Ben, l'Espagne, les 500 euros, c'est pour la France et l'Espagne. C'est la Emouna. C'est tout, la Emouna. Eh bien, ils ont traversé. Et les douaniers et la police, ils ont bien vu. Ils ont bien regardé. Il avait une belle barbe, très longue barbe, avec une paix haute. Et par curiosité, ce matin, en venant de Genève, je crois que le douanier voulait me voir de près. Alors, il m'a arrêté, il a fouillé. Et chaque fois, il me regarde. Je dis, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Et il me regarde. Tu es sûr qu'il n'y a rien? Il n'y a rien. Et dans les poches, il me regarde. Tiens, cher. Après, il a vu qu'il n'y avait rien. Bon, merci. Bon, il a fait son travail. Bon, c'est... Maintenant, le retour. Il dit à sa femme, ah, si tu veux au retour, que ça se passe comme l'aller. Et j'ai toujours les 500 euros que j'ai promis pour la Hanim, je les donnerai à Rabbi David dès que je le vois. Et ils avaient une surprise. Parce que il y avait une queue de 200-300 mètres. La police espagnole, elle a arrêté tout le monde. Chacun, et il devait présenter son passeport. Et là, la femme était paniquée. Bon, il prend les 500 euros, il le regarde, bien, ils attachent, ils sont Torah Kedusha, ils sont Torah Behind Pinto. Il prend les 500 euros, il le remet dans sa poche. Ils étaient à 10 mètres. Et ils étaient pâles. Ils ne savaient pas. Bien sûr, là, ils vont avoir un grand problème. Parce qu'aucun, la police, elle regarde les passeports de tout le monde. Et eux, ils étaient à 2 mètres. Et soudainement, quelque chose il se passe. Il y a un camion. Il double tout le monde. Il double, il fonce, il ne s'arrête pas, il continue. Et la police, elle siffle, et lui, il ne s'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la police? Elle le suit. En le suivant, les frontières étaient ouvertes, tout le monde qui passe. Et tout le monde s'en passait sans rien. Il dit à sa femme, tu as vu? C'est la Emouna.
C'est l'Emouna. On ne comprend pas l'Emouna, elle n'a pas de prix. Vous allez partir à l'université, il n'y a pas de prof de Emouna. L'Emouna, c'est chacun qui la fabrique. Chacun qui la fabrique. Grâce à Dieu, en mangeant kasher ici, je sais que vous venez à midi manger. En mangeant kasher, le kasher, ça donne beaucoup, beaucoup. Ça aide l'Emouna. Ça aide beaucoup l'Emouna. Le manger. Vous savez, il y avait une fois un monsieur à Los Angeles. Chaque fois que je le vois, je pensais à un cochon. Non, je rigole pas. Mais chaque fois que je le vois là, il avait un visage rond, je pensais à un cochon. Et un jour, il me dit, et chaque fois que je le vois, je rigole, et je lui dis, je dis, Rabbi David, je vous en prie, si ça ne vous dérange pas, moi, j'ai fait une bracha pour les affaires. Bon, j'ai acheté un grand supermarché, et je veux que ça ne vous dérange pas de venir me placer une mezouza. C'était à Los Angeles, il y a une quinzaine d'années. Ben, je vais, un jour, je vais. Et voilà, j'étais en train de visiter un peu. Moi, je suis très curieux, j'adore. Moi, j'adore voir. Je suis curieux comment le rangement, comment c'était rangé. Mais je faisais attention à ne pas voir les choses qui ne sont pas cachées. Parce que, d'après Arizal Akadosh, on n'a pas le droit de voir les choses, du manger pas cachées. Parce que tout ce qui n'est pas cachées, s'il n'est pas cachées, c'est qu'il y a la Touma sur. Puisqu'il y a la Touma sur, tu vois, tu attires vers toi la Touma, donc il faut éviter. Ne croyez pas que McDonald's et le cochon, tout ça, c'est pas bon. C'est bon. Le Rambam, il dit tout est bon. Mais Hachem, il interdit, c'est tout. Il n'y a rien qui n'est pas bon. Hasv Shalom, il ne faut pas dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est... Non, tout est bon. Mais nous, Akash Baruch Hu nous a interdit de ne pas manger du tarif. C'est tout. C'est tout. Vous croyez qu'un sandwich au jambon avec fromage, c'est pas bon? Ça doit être bon. Je n'ai jamais goûté, mais ça doit être bon. Alors pourquoi je ne mange pas? Parce que le bon Dieu, Torah, me l'a interdit. C'est tout. Je ne cherchais pas à savoir. Et parce qu'il me l'a interdit, il me l'a interdit. Je ne peux pas dire, c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est bon. Alors, je visite, et voilà, j'arrive à... Il y avait un grand congélateur, très grand congélateur. Et je voulais rentrer. Je me dis, Rabbi David, ne rentre pas là-bas. Je lui dis, pourquoi? Non, je t'en prie, ne rentre pas. Et depuis ce qu'il me dit, ne rentre pas, c'est là que je voulais rentrer. J'étais curieux, je suis juif, je suis curieux. Le juif, toujours, il est curieux. J'étais curieux, je voulais savoir. Non, je vais rentrer. Le Rabbi David ne rentre pas. Ben, je rentre, mais reviens ensemble. Allez. On rentre, que je vois des étagères, des têtes de cochons. Parce que dans ces environs là-bas, il y a beaucoup de Mexicains qui aiment beaucoup la tête des cochons. Donc, il a fait. Alors, j'ai dit, maintenant, je vois pourquoi chaque fois que je te vois, je pense. Je vois parce qu'à force d'acheter les têtes de cochon, tu vois ces cochons, tu veux des cochons. Rabotai, je voudrais vous bénir. Je vous demande de vous tous de se lever. Et vous répondez Amen. Que Hachem il vous donne bracha v'atzlacha et bonne réussite dans vos études. Bezat Hachem. Et que Hachem vous donne un bon mazal. Et que Hachem vous protège, je vous donne bracha v'atzlacha. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Le'olam Va'ed. 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 Ana Adonai Hoshi Ana. Ana Adonai Hoshi Ana. Ana Adonai Hoshi Ana. Ana Adonai Hoshi Ana. Adonai Yatzlihana. Ana Adonai Yatzlihana. N'oubliez pas que demain soir c'est Rosh Chodesh Tammuz. Donc demain, vous dites à votre maman d'allumer les veilleuses. Demain, une veilleuse supplémentaire pour le Rosh Chodesh Tammuz. Et que Hachem vous protège et vous donne à vous tous votre Havatzlaha. Et je bénis les rabbanim présents. Que Hachem les protège. Que Hachem vous donne votre Havatzlaha. C'est un grand mérite, c'est un grand zéchout pour vous de venir ici, et j'en suis très fier de vous. Que Hachem vous protège. Amen, amen.